Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis vraiment désolée, j'ai une tête, voilà. J'ai commencé ce matin très tôt, je suis réveillée depuis 4h30. J'ai enchaîné mes courses et après je vais enchaîner les enfants. Donc je vais commencer par mon surjeu. Je vous fais voir ça de suite. Alors, pour commencer, j'ai pris deux paquets comme ceci de pain au chocolat. Alors, où sont-ils les deuxièmes? Ils sont là. Donc, hop, voilà. J'ai pris deux paquets comme ça. Après, j'ai pris... Parce que c'est vraiment un gros, gros, gros plein, donc c'est un peu galère. Hop les... J'en ai pris deux paquets de croissants. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. J'ai pris des nuggets de poulet. Ça, c'est mon petit péché mignon à moi. Des croquettes de poisson ail et fines herbes. Après, des potatoes. Après, c'est un peu galère. Voilà, des potatoes. Ceux-là, franchement, ils sont trop bons. Nous, on adore chez nous. C'est vraiment ceux qu'on préfère. Je crois que j'ai deux paquets de potatoes ou un. Non, il y en a deux. Il y a deux paquets de potatoes. En fait, je prends beaucoup par deux. Des rostis, j'en ai deux paquets aussi. Hop. Voilà. Deux comme ceci. Après, ils sont très, très bons, hein. Un gros paquet de frites, comme là, il y a. Combien de kilos il fait? Celui-là, il fait 2,5 kg, vous voyez? Hop là. Voilà. Oh, punaise, attendez, je mets en même temps dans mon sac. Parce que derrière, faut que j'aille mettre au congélateur. J'ai pris deux paquets comme ceci de croquettes de poisson. Hop là. Alors, la viande, hein, vous pouvez constater, comme d'habitude, il n'y en a pas une tonne parce que, bah, après, je refais toujours des vidéos à la viande à gogo. Et c'est là que je prends ma viande, hop, à la viande à gogo. Hop, alors attendez. Donc voilà, je vous ai dit 2 secondes parce que j'ai été enrangée un peu dans le congélateur. Je vais pas tout garder comme ça, c'est pas très bon. J'ai pris deux boîtes de boulettes de viande au bœuf. Et hop, je vous avais fait voir, j'ai deux lasagnes. Alors maintenant que j'ai rangé tout le congèle, je vous fais voir mon frais. Donc, hein, vous connaissez ces yaourts-là, mes enfants, ils adorent. On a pris ça en yaourt. J'ai pris 2 fois du rôti de porc. En fait, pour l'anniversaire de ma fille, parce que oui, c'est son anniversaire, elle prend 5 ans. On fait un repas froid, donc très simple, voilà, familial de toute façon. Hop. Donc, rôti de porc. Après, il y a une promotion chez Lidl et j'en ai pris 2 comme ça. Où est le deuxième? Ben, je sais pas, mais je vous le ferai voir au fur et à mesure. Donc, paupiettes de veau, hop, c'est ça. Et c'est trop bon les paupiettes. Bon, ça, tout le monde connaît, hein, le cornet de bif. Celui qui connaît pas, ben, je comprends pas. Voilà. En salade, on a pris des betteraves. Du coleslaw. Donc là, il y en a peut-être que un par un, mais vous inquiétez, j'ai toujours pris par deux ou plus. Des tortillas au surimi. Donc voilà, là, vous voyez, il y en a deux. Donc, de la pimentaise. Du taboulé à l'oriental. Taboulé à l'oriental, je crois que c'est celui avec les raisins. Ouais, c'est ça. Encore de la pimentaise. Encore de la pimentaise. Bon, normalement, on le fait nous-mêmes, hein, mais franchement, avec le travail et tout, on n'a vraiment pas envie de se prendre la tête. Donc, autant manger bien tous ensemble et passer un bon moment que de se prendre la tête à être plus au fourneau. Du coleslaw et encore du céleri. Voilà. Alors, encore un taboulé. Hop là. Ça, on verra après. Du beurre. Du surimi.
de l'emmental. Je sais qu'il y avait une promo sur l'emmental. Il y en avait un moins cher, je crois qu'il y avait 20% ou un truc dans le genre. Mais bon, donc voilà. Donc j'ai pris 4 paquets sans m'en rendre compte en fait. De la margarine. Hop, du poulet fumé. Alors, je vais vous faire les choses dont on tout vient. Encore de la margarine. Un Saint-Bastien. C'est bon, ça. Moi, j'aime bien ce genre de fromage-là. Un président. Un crémeux. Un yaourt encore, vous les connaissez parce que c'est pas la première fois qu'on les prend, c'est les flans au chocolat. Des knackis. Donc 2 paquets. Voilà. Encore du gruyère. Encore du gruyère. Et oui, 2 fois encore du gruyère. J'ai repris des lardons. Je sais même pas s'il m'en restait au congélateur, je crois. Donc, j'en ai repris. De toute façon, moi, je congèle. Hein, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas peur de le faire non plus. Donc, je congèle. Du jambon. Donc là, il y avait les 10 tranches. Hop, j'en ai pris 2. Voilà. Et le deuxième, paupiette de veau. Donc, ça aussi. Hein, là, je vais ranger au frigo parce que je dois aller chercher petit à l'école. Et oui, ma deuxième journée de travail commence de travail, entre guillemets, parce qu'après, c'est un plaisir quand même d'avoir des enfants. Donc, je vais tout ranger vite fait, et après, je vais m'occuper de mes bébés. Alors, ça, c'est avec la Tassimo, je crois. Je sais pas. Ah non, Dolce Gusto. C'est pour mes grands, ils aiment bien. En gâteau, parce que je peux vous dire qu'on a fait du plein. Donc, il y a des spritz au chocolat au lait. Il y en a 2. Ça, j'en ai pris 2 aussi. Je sais pas où est le deuxième, hein, mais bon. Hop, comme d'hab, hein, vous voyez. Au moins, je suis sûre que mes enfants, tout ça, ils aiment. Hop. Ça, c'est encore autre chose. Et c'est pas les mêmes. Hein. Mais bon, c'est super bon. Ça, mes enfants, ils adorent. Yaourt, du riz au lait, mes enfants et moi, on n'aime pas. Bon, on sait c'est pour qui, hein. Des brassés, fruits mixés, sans morceaux. Alors, ça c'est important chez nous, sans morceaux. Sinon c'est mort, on les mange pas. Ou on les mange en faisant la tête. Des barquettes aux fraises. Donc vous allez voir, j'ai vraiment fait un plein. J'en ai eu pour 400 €, je crois. À peu près, un petit peu moins, 380, je crois, un truc dans le genre. Je vous redis ça dans 2 minutes, de toute façon, une fois que j'aurai fini. Alors ça, 1, 2, 3, c'est pas fini, hein. Où sont les autres? Là, hop, 4, 5, et voilà. Parce qu'on est quand même à la maison de gros buveurs de café. Donc 5 sachets comme ceci de café. Tes œufs, une grosse plaquette d'œufs. Voilà. Hop, ouais boy. En gâteau, ça. Alors il en restait qu'un, ma fille, elle a voulu le prendre et que chez moi, bah quand il y en a qu'un et qu'on est 4, on ne le prend pas. J'en ai racheté, elle va être super contente. Hop. Ça c'est trop bon. Ma mère, elle adore. Quand je vais la voir, elle va être super contente de savoir que j'ai pris ça. Je vais quand même en prendre un petit peu avant qu'elle vienne, quand même. Des chips. À l'ancienne, des Lay's. Je préfère cela. Des pains au chocolat. Moi, je trouve ça bien pour le matin ou le goûter. Je sais même pas. Hein. Je vous prends vraiment tout comme ça vient. Regardez la preuve. Du parmesan, j'adore dans mes pâtes. Ouh là là, avec des boulettes de viande et de la bolognaise. Oh là 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 là. Ça, c'est une tuerie. Je leur ai pris 2 paquets de brioches fourrées. Au chocolat, évidemment. Parce que les enfants, ça préfère au chocolat, même si moi, je préfère à la fraise. Des croissants, nature, comme ça, je me dis, eux-mêmes, ils mettront leurs pâtes tartinées dedans. Oh, pardon.
Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Là, on est chez Lidl, hein, vous voyez bien, regardez. J'ai même pas fini, regardez, j'en ai encore plein là. J'en ai encore plein là. Et après, j'ai d'autres choses à vous montrer. Ah oui, des bananes. Donc là, j'ai des bananes, il y en a encore dans mon petit sachet. C'est mes enfants, ils vont être super contents. Des raisins. Alors, kiwi, j'ai pris deux sortes. J'ai pris des kiwis normales, mais bon, comme je disais, on va pas pouvoir les manger ce soir parce que ils sont hyper durs. Donc, des kiwis comme ceci. Et j'en ai un qui est tellement difficile que le kiwi, il me mange que les kiwis jaunes. Donc bon, allez, autant faire plaisir à tout le monde. On y a acheté des kiwis jaunes. Donc voilà. Donc pour continuer, ah oui, parce que j'en prends deux, c'est vrai. Alors il y a ça encore. Ça, par contre, ça c'est mes petits péchés mignons à moi. Il y en a trois paquets que j'ai pris. Regardez bien, 1, 2, 3, c'est les mêmes, hein. C'est tout ce vanille surlit de caramel, évidemment. Après, des yaourts, la laitière nature, ça, j'adore, j'adore, j'adore. Ça a un petit goût et tout, je sais pas. Ils disent nature, mais c'est hyper bon, quoi, j'adore. Des crèmes liquides, voilà. Donc, un café, ça c'est pour quand on a du monde, hein. On prend cela. Après, on a pris, donc je vais vous faire voir hein, directement, 6 bouteilles comme ceci de jus d'orange. Deux comme ça, parce que regardez, on a une promo, le XXL, et il était vraiment pas cher. Elle était à même pas 2 euros la bouteille, si je ne dis pas de bêtises. Donc, deux. Pack de lait, hop, 4. Il m'en reste encore 2, je crois. Et donc là, j'en ai pris 4. Donc pour continuer, je vous avais dit, hein, j'avais pris 4 packs. Ça, j'ai pris 6 bouteilles, mais ils font pas en pack de lait, en pack complet, pardon. Un Coca-Cola, un Coca en sous-marque, parce que de toute façon, les enfants, c'est toujours comme ça. Sachant qu'ils boivent juste pour dire, ils vont boire et que c'est du sucré. De la bière, du pastis. Ah non. Oui, 4 ou 5 packs de lait, je sais plus. Et là, j'ai pris 20 paquets de gâteaux parce que j'ai un fils qui aime quasiment que ça. Donc, le mieux pour lui faire plaisir, c'est je lui prends ces paquets de gâteaux comme ceci, juste pour lui, pour le mois, et il est heureux. Donc voilà, pour continuer, j'ai acheté donc 2 brosses à dents, 2 petits, hop, pour mes 2 derniers. Et évidemment, un dentifrice chacun, parce qu'il leur faut un dentifrice chacun. Donc celui-là pour la fille, celui-là pour le garçon, évidemment. Hop, alors je vais remettre en même temps mon petit sac. Des gâteaux, je vous avais dit que j'en avais pris 2, voilà. Oh. Ça, c'est parce que, bah, comme vous savez, je vais à la viande à gogo et que derrière, je vais congeler ma viande, donc il me faut toujours des sacs à mettre sous vide. Ça, c'est mon plaisir, c'est des petits chocolats. Donc voilà, et ça, ils sont hyper bons. Du ketchup pour ma princesse. Hop, donc ce que je fais, j'en prends 2 parce que ça va me faire un bon moment quand même. Des bretzels pour l'apéro. Voilà. Des bretzels pour l'apéro. Ou comme ça, parce que moi, mes enfants, ils aiment bien aussi. Hein. Encore de la crème. Tac, tac, tac. Sauce bolognaise. 2, comme ceci. 3. 2, 3, peut-être. Mais bon, sauce bolognaise. Donc, j'ai pris des haricots au beurre. Alors, hop, je vous fais voir comme ça va être beaucoup plus pratique. Des raviolis. Encore des raviolis. Des haricots verts. 2. Donc, 3 raviolis. 2 haricots verts. 2 haricots beurre. J'espère que vous avez bien vu, hein. Après, de toute façon, vous savez ce que c'est. Vous n'êtes pas bébête, hein, je pense. Pour continuer, j'ai pris. Hop là. 2 fois des cookies comme ceci. J'ai pris des, vous savez, c'est de la sous-marque, comme les Mikado, là.
Donc j'en ai pris 4 parce que j'ai 4 enfants, donc au moins il n'y a pas de jaloux, ça en fait un chacun. Ça c'est vraiment un petit plaisir. Des Beredi en sous-marque, hein, ils sont très bons aussi. Bon, tant que je les ai devant moi. J'ai acheté un plein de lingettes nettoyantes. Alors, ça, ma fille, elle mange presque que ça le matin, sinon elle me fait un caca nerveux. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris 5 boîtes de brownies. Voilà. Donc, il y en a 8 dedans. On en prend minimum 2 par jour, 2 matins. Donc, voilà. Après, donc comme ça, vous voyez un petit peu ce que ma fille, elle a pris. Elle mange. Ça me fait penser au Kinder Bueno. C'est ce que je me suis dit, on va goûter. Donc, après les barquettes à la fraise, on a les barquettes au chocolat. J'ai pris des mini fourrés à la fraise. Des barres chocolat fourrées au lait, 2. Et des gaufrettes à la framboise. Après, un stracciatella. Ça, j'adore. Hop. Ça, c'est des sauces tomates concentrées. Du concentré de tomates, quoi. Ça, des petits souchards. C'est de la sous-marque, mais c'est exactement la même chose. Hein. Alors, tout à l'heure, il y avait le petit paquet. Là, c'est le grand. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Du riz basmati. Ah, j'ai trop mal au dos en plus. Et de la purée. Donc, pour continuer, j'ai pris un gâteau, un chinois à la crème pâtissière. La dernière fois, mes enfants, ils ont vraiment aimé ça. Donc, j'ai pris ça. Des fourrés à la fraise. Donc, 2 fraises et 2 chocolats, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà. Et du vin. Et oui, du vin. Après, de l'huile. De l'huile, là, il y avait les grosses bouteilles d'huile. Oh, punaise. Voilà. C'est une combien de litres, celle-ci? 5 litres. Voilà, 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 voilà. J'ai pris des bonbons caramel. Des oranges. Voilà, pour les presser le matin. Des pommes de terre, comme vous voyez, et des oignons. Donc voilà les amis, c'était mon retour de course de chez Lidl. Donc j'en ai eu pour 380 € et quelques. Mais je pense vraiment, vraiment en avoir pour un bon moment. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de lâcher votre commentaire. Et moi, je réponds vraiment un maximum comme je le peux. Oui, me dites pas, Jennifer, t'es fatiguée. Je sais, je suis fatiguée. Je suis réveillée depuis 4h30 du matin. J'ai travaillé et ma journée n'est pas terminée, sachant que c'est l'anniversaire de ma fille. Faut encore lui faire plaisir. Et on va aller manger un bout tous ensemble. Donc voilà, ma journée n'est vraiment pas terminée, sachant que demain, je commence à 4h30 le travail. Donc, courage. Donc, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.